Et ben là, je suis en train de positionner mon cache-roue par rapport à l'axe du clavier pour éviter qu'il soit décentré. Je vérifie la hauteur du cache-roue par rapport aussi au clavier pour éviter qu'il dépasse trop et que ça gêne le joueur quand il passe par exemple dans les aigus et qu'il s'il se retrouvait par exemple avec un dessus de clavier trop haut, ben, il buterait dessus et ça serait pas jouable. Donc ça fait partie des petits ajustages de finition de l'instrument. La vielle est bientôt finie. Les étapes de finition, les étapes de réglage. Et bientôt, ben, elle va partir jouer. Les vielles sont apparues à la fin de l'Empire romain, c'est-à-dire autour de 470 ou 15. Il n'y avait pas de vielles. Et en l'an 1000, il y a des vielles, on le sait, parce qu'il y a quantité d'églises et de cathédrales qui ont des décors avec des joueurs de vielles. Alors, au départ, c'est un instrument religieux qui sert à accompagner les chants d'église. Après, ça devient un instrument populaire, jusqu'au règne de Louis XIV. Et là, la vielle devient à la mode. Alors pourquoi elle devient à la mode? Parce que Louis XIV avait eu beaucoup de problèmes avec toute la noblesse en France. Et pour éviter que les autres veuillent prendre sa place, être calife à la place du calife, il avait fait une grande caserne à Versailles, qu'on a appelée le château de Versailles, où il a récupéré tous les nobles qu'il a fourrés là-dedans. Ils ont pris les meilleurs luthiers de l'époque, ils ont fait faire des instruments de très belle qualité, et ça a commencé une mode de la vielle. Les gens se sont dit, c'était la mode de jouer de la vielle. Nous, on a fait la révolution pour avoir droit à toutes ces choses-là. Les gens ont voulu avoir l'instrument qui était à la mode avant la révolution, et la vielle est devenue à la mode dans le centre de la France. 18e siècle, toute la période baroque, tout le monde joue de la vielle. La reine de France joue de la vielle, Maria Leczinska joue de la vielle, deux des filles de Louis XV jouent de la vielle. Tout le monde joue de la vielle. C'est l'instrument, tout le monde se doit d'avoir une vielle. Alors, une corde qui sert à faire le chant, donc une chanterelle. Alors, les sautereaux qui sont ici, les touches, réduisent la longueur vibrante de la corde. Et moins il y a de longueur vibrante, plus le son est aigu. Si je suis ici, j'ai une note grave. Si j'appuie ici, une corde d'accompagnement. Et alors, une chose qu'il n'y a que sur cet instrument, c'est une corde rythmique qui donne le rythme. Il n'y a pas d'autre instrument qui a ça. Allez, à toi. On n'a pas traité de lutherie pour les instruments. On a été obligé de tout faire nous-mêmes pour retrouver les techniques de fabrication, retrouver les façons de fabriquer l'instrument pour lui donner un meilleur rendement. Ça, tu as deux petites gorges, la corde là-dedans. Et là, il y a une vis. Si je tourne la vis, ça vient sur la roue. Si je dévisse, ça sort de la roue et je mets la pression que je veux contre l'archet. Donc finalement, qu'est-ce qui crée le son? C'est le frottement des cordes sur cette roue. Non, c'est la roue qui frotte contre les cordes. Oui, c'est la roue qui frotte contre les cordes. Un archet continue. Voilà. Un archet continue. Il y a des bois qui ont été sélectionnés au cours des âges pour faire les instruments de musique. C'est l'épicéa, éventuellement le sapin, et puis l'érable. L'érable, qui est un bois qui va très très bien parce qu'il se vernit bien, il a du nerf. Si un bois est mou, il fera cotonneux, il va donner un son cotonneux. S'il faut quand même pouvoir mettre des certaines tensions dans le bois et que ces tensions, elles tiennent. D'un bois à un autre, on a une densité du bois qui n'est pas la même d'un arbre à l'autre. Donc si on veut essayer de faire d'une manière scientifique, ce n'est pas réellement possible parce qu'il y aurait trop de paramètres. On se retrouvait avec des milliers de paramètres et des variables qui ne seront pas possibles à gérer.
Par exemple, l'épicéa qui est sur la table a une densité différente d'un épicéa à un autre. On peut en avoir un très dur, on peut en avoir un très mou, avec les mailles qui sont très espacées ou très serrées. Alors, donc, il y a une base de technique qu'on peut utiliser, de l'empirisme pour essayer de trouver un espèce de petit instinct pour savoir ce qui va sonner. À 18e, on trouve des bois précieux, d'abord qui sont jolis, puis qui donnent un son très doux et pas très puissant. Il y a utilisé le palissandre, l'acajou de Cuba, tous ces bois-là, qui ne sont plus utilisés après à Janza parce qu'on veut des instruments qui soient deux fois plus puissants. Vous êtes arrivé dans ce métier, entre guillemets, par votre papa, j'imagine. Voilà, c'est ça. Alors comment se passe cette fabrication de vielles en famille? L'avantage d'être en famille, c'est qu'on n'a pas de recherche d'être le meilleur. On est dans un esprit où on communique son savoir à l'autre. S'il y en a un qui trouve quelque chose, l'autre le saura. Mmh. Il n'y a pas de compétition, il y a une certaine harmonie dans l'apprentissage et dans la découverte des techniques. Donc, ça favorise une amélioration de la lutherie. Travailler le bois, c'est un plaisir. On dépend de son travail, on dépend de personne d'autre. La qualité de son travail, c'est une satisfaction personnelle. Donc, il y a beaucoup d'intérêt à travailler de ses mains sur un métier où, en plus de ça, on est en recherche perpétuelle d'amélioration. Donc on n'a pas de lassitude, on n'a pas de train-train quotidien. Même si on reproduit des instruments, on crée de nouveaux modèles, on crée de nouvelles façons de régler l'instrument, comme un chevalet mobile qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, les capots d'astre, tout un tas de choses qu'on peut améliorer et qui évitent la routine, quoi.